Salut Chiki Mouchou pour vous servir pour cet épisode numéro 42 du Let's Play de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Et j'ai beaucoup réfléchi entre les deux épisodes. J'ai eu que 3 minutes entre les deux, là j'enchaîne l'enregistrement de tous. Mais j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que il serait bien qu'on rattrape un peu le level de chacune des compétences qui nous existent du flux. Là je suis level 5 avec la forme sagesse, je pourrais la passer level 6, mais j'ai tellement d'écarts par exemple avec la souvenance, la maîtrise qui sont toujours level 1, même la vaillance hein, qui est que 3 et l'invocation qui est 4, que je vais plutôt me concentrer sur passer toutes ces invocations et fusions au level 5 pour essayer d'équilibrer un peu le tout. Voilà, et on va oublier un peu la forme sagesse pour l'instant, donc on verra ce qui nous attend derrière la porte. On n'a pas de mog, hein, je ne me trompe pas, il n'y a pas de mog par ici. Ok, on n'est qu'à 2 flux. On peut pas utiliser de reflux parce que du coup, on a un méga reflux, mais c'est un peu trop abusé pour recharger nos flux, sachant qu'on en a déjà deux jauges de complète. Il faudrait que je m'en achète dans un vendeur. Et on devait retourner du coup dans la pièce voisine pour éliminer les dangers qui pourraient atteindre la tour entrée-sortie. Disappointed in you, program. Why do you insist on allying with these selfish users? Because I want to help them. Something written into my code commands me to do what is right. Really? And what command would that be? I can't really say for sure. Friends, they help each other, that's all. Uh-oh, look out! Ok, donc je n'ai pas vu de logo de son cœur, d'emblème de son cœur, donc ça a l'air d'être une espèce de programme informatique maléfique qui a pour but de nous défoncer la gueule. Donc on va lui configurer la tronche avec la coopération de Tron et de Sora. Vous voyez qu'on récupère des granules comme dans le mini-jeu qu'on avait fait. Alors il faut qu'on se rapproche un peu de lui. Allez, on y arrive. Antivirus, ouais, il est un peu loin. Antivirus, c'est pas le nom d'un Romain ça? Reprogrammation. Bon, on n'a pas beaucoup touché le gars parce que du coup, on était un peu loin de lui. Là, le final marche beaucoup mieux, hein, j'ai l'impression. Ouh, nouveau level d'atteint. Peut-être que c'est le temps d'une fusion. Dans ce cas-là, on va intervenir Donald et se remplacer par une forme de vaillance. Ce serait pas mal. Un peu gelé aussi d'ailleurs. Tiens, ah, il est en train de perdre des parties d'ailleurs, regardez. Super ça. Ok, il était en mode de stop, comme le sort qu'on avait eu dans Kingdom Hearts 1. On peut le geler à nouveau. On a tellement récupéré de granules que on peut se le permettre. Ok, on continue. Alors je sais pas s'il prend des dégâts du coup, parce que là il était immobile. Ouais, il prend un peu de dégâts quand même. Attention à nous. Ouais, il a pas l'air très méchant. Ouais, attention, il a des rayons laser quand même. Et ça, faut pas déconner avec les putains de lasers. Bien joué ça, Dingo. Ah, tu fais des méga attaques là de ouf. Regardez le nombre de granules que Dingo il nous laisse derrière lui. C'est trop bien. Il est trop sympa ce chien. Et du coup, on peut défoncer ce programme là sans problème. Et attendez, on a presque fini le combat là. Il était ultra simple. Enfin, je parle au passé comme si c'était déjà fini, mais ça l'est. Et on a gagné une jauge de flux. Trop bien, onde circulaire. Excellent ça. I really owe you one. With all my functions up and running, I think I've got a chance of getting system control away from the MCP. Now, I'd better get to work. It's what my user would want. What Ansem would want. Listen, Tron. We didn't get the password from Ansem. We just sort of found it.
back in the user world. By accident. And one more thing. Ansem, he was our enemy. I mean, he still is. I guess. Well, actually, he's my enemy, too. What do you mean? Ansem took Encom's original system and customized it for his own use. I was part of the original system, and Ansem modified me, too. So, that makes him my user. But Ansem is also the one who brought back the MCP. The Ansem I first knew wouldn't do that. I'm sorry I didn't tell you. That's okay, but now I really don't get it. I don't understand it either. But I think users like you are going to be the ones who will finally figure it out. You have the ability to take illogical routes and still arrive at the answers you seek. Now go, before the MCP starts acting up again. Bien. Je reste ici pour m'assurer que le MCP ne crée plus d'ennuis. Le monde des utilisateurs est en danger. Regagnez-le en passant par ce terminal. D'accord, donc on a terminé avec le monde de Tron, j'ai l'impression. Du coup, nous avons débarrassé ce programme malveillant. Nous avons empêché le MCP d'accéder au monde réel. Et Tron est en plein contrôle du central. Donc on va pouvoir accéder à l'ordinateur. Ça va être c'est une très bonne nouvelle. On y va, on retourne dans le laboratoire. Any data you need from the DTD can be accessed directly through my user's terminal. I'll keep a dedicated access channel open for you. I changed the password, so you won't have to worry about the MCP for a while. Access channel? I knew you'd ask. It's a very important link between our worlds. It's how we stay connected. You, my friends, are the new password. Thanks, Tron. Take care. You too. And give my best to the users. Une nouvelle Keyblade, elle augmente de 20% la puissance des attaques foudre. Bon, c'est pas la meilleure compétence du monde. Well, that's that. Look. Tron, hang in there. So, where do we start? I know. Let's access the DTD. The King's checking the situation in town. He'll be back soon, so don't worry. Hey, look. It's asking for a password. That's easy, it's... Sora! Donald! Goofy! That's... to the point. Well? That did it. We're in. I have to go into town. Need to see what that last shakeup did. You're not gonna check out the data? It wasn't exactly easy to get. I'm coming right back. Hey, Sora, why don't you get started unloading the data and copying it down? It's just a few keystrokes. Easy, right? Ah, on va pouvoir accéder au DTD. Ok. Pareil, comment ils ont su que le mot de passe était dans cet ordre-là? Attendez, on va retourner au bureau, on va voir. Y'a plus personne? Bon, tant pis. La seule chose qu'on a à faire, c'est accéder au DTD, du coup. On va peut-être en savoir plus sur l'organisation, les simili. Riku, peut-être? Kairi? Can you walk? Hey, these things take time, okay? Whoa, it's doing something. Huh? I think it wants to know what we want to know. Riku and Kairi. No way. Even Ansem's computer doesn't know. What's he doing? I thought I'd ask the computer if it can tell us about them nobodies.
What's this? The data is corrupt. How about the organization? There! The data is corrupt. Stupid computer! Sora! Huh? Who's this guy? Well, I see you got things working. Oh, Your Majesty! Good going. The computer should tell us the things we need to know. But it keeps on saying the data inside's all kerscuffled. All we got is a picture of some guy we don't know. Ansem the Wise! Come on, are you teasing us again? Then you forget what Ansem looked like, Your Majesty! Of course I do, and this is him. I'm positive. Huh? Excuse me, could you come this way, please? Look, this is Ansem. You know, the guy we all worked really hard to defeat. Oh, that's right. I never finished explaining. What? Well, the man in the picture is definitely the one who tried to take over Kingdom Hearts. The one you fellas defeated. But what you actually fought was his Heartless. You see, he wasn't really Ansem. He just went around telling everybody that he was. You mean... What? We went through all that trouble to defeat an imposter? Yup, a fake. But he still had to be stopped. I can't believe it. Oh, I'm kinda confused. If he's a fake, then what happened to the real Ansem? Welp, that's just what I'm trying to figure out. Ansem the Wise should know all about Organization 13's plans and what's been happening to the worlds. I'm pretty sure he'll give us some help. You know, I came close to finding him once. Don't tell me there's more. I'm lost enough as it is. Well, let's see. Some feller named Ansem, who wasn't really Ansem, became a Heartless. Does that mean a nobody got created when that happened too? Yup. And that nobody is the leader of the organization. What? I know I've met this fake Ansem before, and I've seen the leader of Organization 13, too. Kinda felt like being around the same fella. So, where did you meet this guy? Gosh, I can't remember. Ansem the Wise, the real Ansem, must know the imposter's true identity. That's why I've got to find him and ask him about it. You started all of this. Because of you, Riku and Kairi. Oh, Your Majesty, do you know where Riku is? He's... I'm sorry, I can't help. Really, Your Majesty? Are you sure? I'm sorry, Sora. What about Kairi? Organization 13 might have kidnapped her. Oh, no! Sora, Donald, Goofy. I was planning to go get help from Ansem the Wise, but now I know I forgot the most important thing. Helping others should always come before asking others for help. We're safe and sound, and free to choose. So there's no reason we shouldn't choose to help our friends. Let's look for Riku and Kairi together. Outside! Sounds like we gotta start by helping out here.
What? Quoi? Mais c'est quoi toutes ces informations? Donc en fait, le mec qu'on l'a vaincu dans le premier Kingdom Hearts, un portrait de celui que vous pensiez être Ansem. Donc Ansem, ce n'est pas le gars qu'on pensait être. En fait, Ansem, c'est le mec avec une espèce de barbichette et une écharpe rouge et un manteau un peu blanc. Donc d'accord, et blond en plus. Donc non, celui qu'on a vaincu dans le premier Kingdom Hearts, c'est le sang-cœur d'un mec qui se faisait passer pour Ansem. Et le simili de ce mec qui se faisait passer pour Ansem est le chef de l'organisation. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez un peu? Bon, c'est tout ce qui a été dans la cinématique, mais bon, c'est bien de vous rafraîchir un peu la mémoire pour essayer de voir si vous arrivez à faire les ponts qu'il y a. Donc Ansem, le chercheur des ténèbres, n'est pas le vrai Ansem, n'est qu'un sang-cœur de celui qui se faisait passer pour Ansem, qui est le mec au portrait. Ok, ok. Donc, très bien, formidable. Tout ce qu'on pique, évidemment, c'est Kingdom Hearts. L'explosion venait de l'extérieur, non? Il doit se passer quelque chose de grave. La bataille sera longue. La bataille sera de longue haleine. Tout s'empressera. Oula, 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 Dingo nous dit, préparez-vous à la baston, c'est ça? Le roi est parti devant, dépêchons-nous de le rejoindre. Allez, c'est parti. Préparez-vous pour la bataille de la forteresse oubliée. Je pense que ça va être intense. Et on passe par cette porte-là, les couloirs. Hear me, my heartless. Attack the white husks! Sweep them away! What are you, nuts? We're never gonna win! I don't know about you, but I'm out of here, sister! You pathetic coward! Heartless, leave the white ones. Turn your attention to Sora and his friends. Uh-oh. Alors je sais pas vous, mais j'ai envie de vous dire que ça sent un peu la fin du jeu. Là on vient de croiser Maléfique qui vient de rejoindre la forteresse oubliée. Donc on risque d'en baver dans les prochaines minutes et dans les prochains instants de gameplay. Allez, la vaillance, on repart du coup en fusion pour essayer d'augmenter son level évidemment. Et contre... Oh mais ça y est, nickel. Un nouveau level pour la vaillance qui passe au level 4, super. Donc elle sera beaucoup plus... En fait, plus les fusions gagnent en level, plus c'est facile de les upper parce qu'elles gagnent de nouvelles jauges de fusion et elles durent plus longtemps du coup. Donc c'est formidable. Ok, 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 ok. Allez, tiens, pour toi. Très bien. Ça va, ça se gère assez bien, les 6000 et les 100 cœurs quand on est en fusion. Là, c'est vraiment la bataille qui commence. On a vu qu'il y avait les barrières, enfin, les remparts de la forteresse oubliée qui ont été complètement effondrés par les 100 cœurs. Where's Maleficent? Looks like she ran away. Well, that was pretty lame of her. I guess we picked the wrong side. Hey, if you're looking to pick sides, why don't you pick Leon's? They can always use help. Does this Leon have any treasure? Yeah, lots of stuff. Perfect. Come on. Who are you? Oh, we're nothing worth mentioning. Just three treasure fanatics. Later, taters! Did Leon really have any treasure? We don't have time for you. Whoa.
ain't Sephiroth. Ain't Sephiroth the one who's supposed to be the dark part of Cloud's heart? Huh. Did Cloud tell you that? Then he must understand now. Just what are you gonna do to him? Nothing. Cloud is the one who hungers for darkness. He said he's got a score to settle with you. I see. He wants to meet me again. Then I should give him what he wants. That last bit of light is always the hardest to snuff out. Oh là, oh là, oh là, oh là, d'accord, même Sephiroth intervient dans la bataille. Hein ? Elles sont sorties de ce trou ? C'était pas là avant ? Je me demande où ça mène. Perdons pas de temps avec ça, on doit chercher le roi ! Je suis bien d'accord avec toi, Donald, pour une fois. Donc, on remet ça à plus tard. Oh, c'est vrai qu'on a 5 jauges de flux maintenant, c'est trop bien. Donc on va remettre l'exploration de ce trou à plus tard. Là, la priorité, c'est de rejoindre le roi et participer à la bataille de la forteresse oubliée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ne loupez le prochain sous aucun prétexte parce qu'il y a des grandes chances qu'il y ait beaucoup de choses qui risquent de se passer dedans. Donc dans l'épisode numéro 43 du Let's Play de Kingdom Hearts 2 Final Mix, abonnez-vous pour ne pas louper et lâchez le like si vous avez kiffé la vidéo. A plus dans l'épisode 43, merci d'avoir suivi. Bye.